Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Jacques. J'ai une petite nouveauté, enfin tu as une petite nouveauté mignonne à nous présenter, un truc assez sympa. Je pense qu'on va, faire, pas des jaloux, mais ça va intéresser pas mal de monde, c'est un 410 semi-automatique. C'est quand même une arme assez rare, hein, j'en ai pas présenté souvent sur Chasse Passion, d'ailleurs c'est même la première fois que j'en présente. J'ai hâte aussi de l'essayer un petit peu plus tard au stand. Donc c'est des fusils semi-automatiques calibre 410, c'est Hatsan qui fabrique ça. Voilà. Il y a trois modèles différents qu'on a sous les yeux, donc un modèle bois, un modèle synthétique et un modèle camo. Je voudrais que tu nous présentes un peu ces armes. Il y a 5 chocs amovibles dessus, c'est des canons 71, c'est, moi je trouve ça super marrant. Pour la chasse, aller, on va dire de la grive, du migrateur pas trop loin, ou bécassier, je pense pas quand même, parce que bon, c'est pas, le semi-automatique, c'est pas l'arme. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Et puis l'initiation, quoi, les jeunes, ça peut être très sympa. Voilà. Présente-nous un peu cette gamme. Un petit peu de sport également. Alors même beaucoup de sport, parce que là, c'est carrément du sport. Oui, ouais, c'est vrai que c'est sportif, il y a des gerbes qui sont petites. Et voilà. Donc, c'est un complément de gamme, en fait, pour la marque Hatsan, qui travaillait ses fusils en calibre 12 et en calibre 20. Donc là, il lance une petite nouveauté en calibre 410. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous demandait assez souvent. D'accord. Il y a des clients qui sont friands de ça. Voilà, c'est vrai que ça fait des toutes petites cartouches. Là, en l'occurrence, c'est du 65 mm. Donc, ils sont chambrés en 410 76 mm. D'accord. Donc voilà, avec une capacité de 2 cartouches dans le tube magasin, une dans la chambre, ça c'est la législation française qui le définit. Voilà, donc avec une version bois comme tu l'as dit et deux synthétiques, très simple, les versions synthétiques qui sont équipées d'un petit rail pour mettre éventuellement un accessoire. Je pense que ça c'était destiné à d'autres pays que le nôtre. Ouais. Voilà, très très bon équilibre, une bande fine qui est très sympa, et vraiment le plus c'est d'avoir la capacité d'adapter ses chocs à son usage. Donc ils sont livrés avec 5 chocs inter lisse-quart, demi, trois quarts full, très classique comme tous les autres fusils, et on peut les démonter et pouvoir tirer à différentes distances. Et j'ai vu quand tu l'as pris en main, tu as la carcasse qui est fraisée aussi. Ouais, tous les fusils Hatsan sont livrés avec une carcasse fraisée. À la base, c'est plus une demande pour les calibres 12 pour pouvoir y poser des lunettes de but. Mais là, éventuellement, on pourrait imaginer mettre un point rouge dessus ou n'importe quelle optique. C'est compliqué, mais enfin, c'est marrant que la carcasse soit fraisée. Ouais, toujours sur Hatsan, ils sont toujours fraisés. D'accord. Voilà. Donc après, en termes de positionnement prix, c'est des fusils qu'on va retrouver pour le synthétique qui est le moins cher à 550 €, 575 pour le bois et 625 pour la version synthétique camouflée. D'accord. Donc voilà, ça fait un petit fusil assez abordable pour un usage un petit peu plus fun, un petit peu plus loisir, on va dire, détente, que le fusil 12 semi-auto de chasse pur et dur. Donc voilà, capacité à pouvoir se faire plaisir avec des produits différents, hors du commun, à un prix contenu. Voilà. Et ouais, bon, c'est un fusil semi-automatique, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, là-dessus, voilà. Il n'y a pas de réelle nouveauté. Tu as le bouton pour armer la culasse qui se trouve ici. Sur le côté, ouais. Moi, ce que je trouve vraiment très sympa, c'est ces petits chocs interchangeables, vraiment externes, du coup, pour le coup. On n'a pas de différentes longueurs de canon, hein. C'est 71 sur toute la gamme. Tout est en canon de 71. D'accord. Voilà. Et c'est disponible dès à présent ou... Au début de l'été, à partir du mois de juin, voilà, ce sera disponible chez tous les armuriers partenaires. Ça marche. Donc voilà. La marque, c'est Escort. Voilà, Hatsan Escort. Hatsan Escort. Voilà. Ça marche. Et bien, à très bientôt sur Chasse Passion. Merci Mathieu.